Bonjour Jean-Marc. Oui, Lionel. Bonjour. Pourquoi dit-on que la conscience est pure connaissance? Ben parce que quand nous disons je connais quelque chose et que vous interrogez à partir d'où cette connaissance se fait, eh bien vous allez arriver à la conscience parce que quand on dit je connais quelque chose, on peut dire aussi j'ai conscience de cette chose. Voyez-vous, donc en fait la connaissance se réfère à la conscience. Et la connaissance de la conscience, c'est une autoconnaissance de la conscience. C'est une connaissance sans objet. Vous remplacez simplement le mot connaissance par conscience et vous allez voir que ça, c'est un équivalent. Je connais ce corps physique, mais j'ai conscience de ce corps physique. Ça veut dire qu'il y a conscience de ce corps physique. C'est cette conscience du corps physique qui en donne sa connaissance. La conscience, on va dire, précède même alors la connaissance. Je connais ma personnalité, je connais mon fonctionnement psychique, j'ai conscience de ma personnalité, j'ai conscience de mon psychisme. Donc, à partir d'où se fait cette prise de conscience? Vous ne trouverez pas quelqu'un qui a conscience, mais vous allez revenir à la conscience elle-même sans le quelqu'un. Parce que quelqu'un, c'est juste un autre objet de conscience, un objet dans la conscience, un objet de connaissance.